Allez, salut à tous les amis, c'est Playfan et on se retrouve directement sur la suite de ce let's play sur Banjo-Kazooie. Alors, précédent épisode, on n'a pas récupéré énormément de pièces, uniquement deux, mais on a quand même fait le tour du niveau, donc c'est pas mal. On sait maintenant, je dirais qu'on sait maintenant ce qu'il faut à peu près faire. Notamment, on va commencer par libérer ce pauvre requin pris par un espèce de piège. Ah non, bah c'est juste l'encre en fait, qui est juste sur lui quoi. Alors, je suis coincé, au secours! Aidez Snorkel à sortir de là! Et ok, y a pas de souci. Ok, bah attends, tu permets, je vais juste récupérer ma respiration. Et oui, c'est vrai qu'il faut que je sorte de l'eau complètement, parce que l'eau est empoisonnée. D'ailleurs, ça se voit à la couleur, hein. Donc forcément, on sort un petit peu. Voilà, c'est bon, on peut y retourner. On a exploré quand même pas mal d'endroits, donc ça va nous permettre d'aller un peu plus vite dans cet épisode, je pense. Ok, est-ce qu'on peut aller ici déjà? Ça serait une bonne chose. Je pense que oui. Ok, nickel, on peut. Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par contre? Ça... Parce qu'apparemment, il y a une bonne grosse partie du niveau qui se passe dans le bateau. Hein. Enfin, je pense, vu la taille du truc, ça serait pas étonnant, quoi. Est-ce qu'on peut grimper? Non, on peut pas grimper à cette chaîne. D'ailleurs, je sais pas trop comment on va la détruire. On va certainement y arriver, mais comment? Je sais pas encore. Ok, alors là, par contre, c'est bien d'esquiver ces gros trucs, là. Ah mince, hey, j'ai plus trop de vie d'ailleurs. Je suis pas allé en rechercher depuis. Ah bah c'est quoi ça? Un bouton avec une encre dessus. Je me demande ce que c'est. Hop là, voilà, ok. C'est bon, on va quand même récupérer les notes. Comme ça c'est fait. Et puis il y a notamment une partie avec des hélices. Alors ça j'ai pas très bien compris, mais apparemment pas mal de trucs à faire, hein. Ok, nickel. Merci les amis. Tenez, ceci est pour vous. Oh yeah. Ça fait une nouvelle pièce. Bon, elle était pas très dure celle-là. Il y a des énigmes qui ont été plus dures que ça, honnêtement. Mais des fois, ça fait du bien d'avoir un petit peu de simplicité. Ok, let's go. Ouais, c'est par là. On récupère vite fait la pièce et je me demande s'il n'y a pas quelque chose, si on peut pas accéder. Oula, c'est où? C'est ici. Si on peut pas accéder au bateau par en bas. Ok, une pièce de plus, ça c'est cool. On va quand même reprendre. Oh, tiens, j'aperçois un petit trou par là. Oui, on va quand même se dépêcher. On va quand même se dépêcher parce que j'avais plus trop de respiration. Oui, donc attendez, parce que j'ai aperçu une espèce d'entrée au loin. Par ici. D'ailleurs, ça me surprenait qu'il y avait un grillage ici. J'ai pas trop compris. Voilà, on a enfin la réponse. Ok, j'ai cru qu'on pouvait pas y aller. Oh, nickel. Un petit dino à récupérer. Hop, est-ce qu'il y a quelque chose à la surface? Ah, il nous en manque plus qu'un quand même. Hein. C'est pas énorme. Il n'y a rien à la surface, ça c'est bête parce que... Parce que pour reprendre la respiration, là, ça va être chaud. Mince, je suis pas passé dans le trou. Oh, ça va être chaud. Oh, oula, je le sens mal. J'aurais pas dû... Ouf, purée. Oh là là, j'ai eu chaud. Ah, bon. Ça, c'est une bonne chose de fait. J'ai quand même envie de retourner dans l'eau parce que je pense que j'oublie pas mal de trucs. Alors ce qui est bien, c'est que là, au niveau de l'éclairage, quand on est dans l'eau, c'est vachement éclairé. Oh putain. Alors, bon, décidément, c'est pas maintenant qu'il faudra y aller récupérer cette pièce. Ah purée, on voit pas grand chose avec la caméra là. Oulala, oulala, on va quand même se dépêcher. Vite, 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 vite. Je sens mal. Fou purée, à chaque fois j'ai chaud. Ça se joue à quelques secondes. J'ai l'impression qu'ils ont fait exprès quand même. Hein. Qu'on soit vraiment à la limite de pas pouvoir récupérer la dernière...
de pas pouvoir revenir à la surface, à la dernière, au dernier point de respiration. Alors, on va quand même retourner sur le bateau parce qu'il nous manque pas mal de trucs. Alors ça, ok, on va passer par là. Oh, tiens, la musique a changé là. Oh, c'est plutôt sympa d'ailleurs. Ok, il y a pas mal de... Il y a de la TNT. Il y a une... C'est une plume qui est cachée là derrière. Je vois pas très bien. Bon, ok, bah let's go. Attention, non. Ouf, putain, j'ai eu chaud. Aïe. Là. Voilà. Ah d'accord, elle a explosé comme ça, ok. On ne prévient pas et on explose. Oh, je suis... Oh mais c'est pas vrai. Là, voilà. Ok, ça fait toujours des notes en plus. Purée, je suis passé de justesse. Il me semble qu'il y avait autre chose. Non, c'est tout ce qu'il y avait. Donc là, il y avait bien une plume d'or. Et... Ah non, c'était tout. Il y a une plume d'or, mais j'en ai déjà 10, donc ça sert plus à rien. Ah ok, je pensais qu'il allait y avoir plus de trucs que ça, mais non. Ben ok, d'accord, bah c'est bon, il est juste à revenir. Je vais quand même voir une dernière fois, histoire de rien louper. Non, c'est bon. Ok, bon, c'était rapide. Mais au moins, il fallait y passer, parce qu'il y avait des notes. Est-ce que celui-là... Ok, il est méchant, c'est bon. Hop là, mince. Ah non! Alors par où je pourrais aller? Ah oui, c'est vrai qu'il y a le dernier dino à récupérer là. Bon, vu que c'est pas très très dur, on ira après. Est-ce que je peux pas grimper là? Il y a la TNT à faire descendre. La bonne question c'est comment on va la faire descendre cette TNT? Parce que j'avais déjà essayé. En tapant dessus et ça a pas fonctionné. On va descendre ici. Histoire de pouvoir récupérer. Oups là, j'ai pas eu l'échelle. Ouh là 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 là, ok. D'accord, voilà. On descend tranquillement. Ah d'accord, ça, c'est en relief. J'avais pas vu que c'était en relief. Donc on peut appuyer certainement dessus. Tac. Et là, c'est le drame. Voilà comment on va accéder au bateau. C'est tout de suite plus pratique, hein. Ok, on va pas tomber et récupérer ces trois notes. Voilà. Alors, on va mettre les 8 petits œufs là-dedans. Voilà. Ça, c'est cool. Oh putain, ils ont fait exprès de foutre le chemin en zigzag, j'ai l'impression. Pour qu'on puisse tomber partout hasard. Ah, et forcément, il y a des ennemis à tuer. Hop là, bon. J'ai compris le système pour eux, donc ça va. Là, encore un. Ouh putain, je suis passé juste en dessous. Et voilà. Oula, non, non, je veux la pièce. Hein. Merci. Et bien, ça nous fait 4 pièces, mine de rien. On avance. Lentement, mais sûrement. Hop là, toi, tu dégages. Je prends ton point de vie, parce que ça m'intéresse. Comme ça, je suis full vie. Ouais, bah écoutez, on va aller directement dans le bateau. Hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Et juste avant, on va quand même foutre l'accès là-dedans. Là. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Oh, le chemin en W, quoi. Ok, donc maintenant on monte ici, on refait le chemin inverse quoi. Et on va tomber dans ce trou gigantesque qu'on a fait. Il est pas mal ce niveau, honnêtement. Putain, je suis où là? Voilà. J'ai eu peur là, j'ai rien compris. Bon allez, on va se faire un petit plaisir. On va tomber de là directement. Ouh. Ok, on y est. Oh putain, tous les œufs qu'il y a ici. C'est rare, alors on en profite. Ok, c'est quoi ça? Qui a osé déranger le boss Boombox? Ma pièce de puzzle est cachée. À table. Elle est où sa pièce de puzzle? Elle est pas là? Oh mince.
Il l'a avalé. Ok, je suppose qu'il faut lui balancer plein de... Non, ce serait pas ça par hasard? Ok, viens là. Allez, prends-toi ça. J'espère que tu souffres là. Ok, c'est bon, il est mort. Oh non, mince, il a des bébés. Oh. Voilà, encore. Purée, mais c'est pas vrai, je vais pas en avoir assez au final. Hein. Allez voir, ça va se passer comme ça. Mais c'est pas vrai. Est-ce qu'on peut pas le buter comme ça? Ah bah voilà, c'est quand même plus simple. par contre, je sais pas combien il va y en avoir d'ennemis là, mais ça va être un peu chaud là, de tout gérer. Il y en a un petit peu beaucoup. Prends-toi ça, prenez-vous ça. Voilà, bon, ça leur fait un petit peu de dégâts. On va quand même récupérer ça. Aïe. Ah, c'est chaud, hein. Oh là 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 là, oh là là. Je sens pas. Est-ce que je peux pas les tuer comme ça? La solution cheatée, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. Heureusement que j'avais ça, moi. Hein. Ça va, c'est moins dur tout un coup. Hein. Ok, merci. Ah, tu as gagné. Je suis en pièces. Prends ceci. Heureusement que j'ai découvert ça parce que j'étais à deux doigts de mourir quand même. C'était sympa cette petite phase de fight. Mais je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais qu'on allait accéder directement à cette espèce de salle des machines avec les hélices et tout là. Du coup, c'est pas ici qu'on y accède. Ok, bah ça doit être autre part alors. Je sais pas trop où, mais c'est pas ici. On va continuer quand même. Donc du coup ça... Ah tiens, il y a une porte, j'avais même pas vu. Purée, est-ce que je peux être aveugle des fois. Ok. Hop là. Toi, tu fais pas long feu. Tu me donnes un point de vie et merci. D'ailleurs, il y en a un autre, on va se le faire comme ça. Niveau vie. Oh non, c'est pas du tout ce qui était prévu. Il m'enlève 2 points de vie en plus celui-là. Hein. Eh ouais. Oh, tiens. Ah mais non, c'est un truc de... Ah bah nickel, c'est pour avoir de la vie ça. Par contre les abeilles... Les abeilles, adieu. Voilà. Pfff. Ok, on est dans la salle des machines. Voilà, on y est enfin. Putain la vache, c'est grand. Oh. Ok, non mais c'est bon quoi. Le truc qui se met à tourner. Ok, j'ai eu chaud, c'est bon. Hop là, on y va direct. Par contre, ça c'est chaud, j'aime pas du tout. Putain, putain. Faire attention quand même. Alors, heureusement que j'ai appuyé sur l'interrupteur qui m'a permis de les ralentir à certains moments. Il y a pas mal de notes à récupérer. Oh putain, mais. Ouh! What? Alors, on tombe direct quoi. Ah ouais, en plus, on meurt. On meurt direct quoi, il nous prévient même pas le machin. Ah ouais d'accord, ok, ça veut se la jouer comme ça. Ok, non mais y a pas de souci. Aucun souci. On va la jouer secure nous aussi. Putain la vache, c'est vachement chaud. Ah ouais, là on va galérer, là je le sens. Je sens qu'on va galérer. Oh putain. On va devoir se le faire lui. Passer au dessous aussi, c'est possible. Là. D'accord, ok, ça m'a quand même fait perdre un point. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai pas récupéré le crâne là. Plutôt bien. Ah ouais, non, mais du coup, faut pas tomber. Oh, ça va être chaud. Oh wow, 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 wow. Et oh, on se calme. Oups. C'est vachement chaud ici là. Il y a tout qui se met à tourner ultra vite en plus. Ok, je suppose qu'il faut y aller maintenant quand ça tourne plus. J'aurais dû y penser ça quand même. Hein. Ok, c'est fait. On récupère ça. Oh non, mais dites pas qu'il faut y aller comme ça quoi. Ah là là là. Ok, let's go.
Hop là. Vite, 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 vite. Putain que c'est chaud. Voilà. On récupère la vie. Ah, ça c'est cool par contre. Une vie. Ah, donc là, et on voit donc du coup la salle qu'on a vue dans l'épisode l'épisode 15. Ok, ça c'est pour arrêter les hélices peut-être ou les ralentir. Ah, c'est pour ralentir celle-là ou les arrêter tout court, je sais pas. Est-ce que ça ralentit un moment ou pas du tout? Attendez, je suis en train de penser à un truc là. Je suis en train de penser à un truc qui me remplit pas de joie. C'est qu'en fait je suis mort entre deux. Et ça voudrait dire qu'au final je dois appuyer sur l'interrupteur. Puisque je suis mort entre deux. Ah, donc du coup il faut que je retourne. Oh, c'est pas cool. Il faut que je retourne à la salle là de tout à l'heure. Pas cool ça. Pas cool mais... Oh non, bon. Bah... D'accord. Bon bah du coup on va y retourner direct hein. Par contre c'était où? Il me semble que c'était par là. Il me semble que c'était au début. Est-ce que c'était pas ici avec ça là quand je suis allé là-dedans? Oh, je sais plus du tout. Il me semble que c'était là. Ouais, c'était ici. Bon, une fois que je trouve une salle du premier coup, dis donc que... C'est l'exploit! Voilà, bon, au moins il y a la vie encore. Bon bah, on est une vie quand même. Il y a une pièce. C'est aussi important de le préciser. Oh non! Et ça revient à zéro aussi. Oh, c'est nul! Il faut que je les réactive. Oh fuck! Bon, pas grave. Et ça, bah, du coup, c'est revenu à zéro aussi, mais on n'a plus besoin d'y retourner, je crois. Hop là, on pète ça. Et oh oh, attention. Voilà, c'est bon. Ok, donc là, la plus grande prudence est de mise. Parce que je veux absolument pas tomber, là. Là, c'est... Mais c'est vraiment pas... C'est pas l'endroit pour tomber, c'est pas du tout le moment, c'est ce que vous voulez. What? Ok, d'accord, ok. On attend que ça ralentisse. Pff, pas maintenant, voilà. Pff, c'est bon. On l'a passé cet endroit de malheur. On récupère, putain, je suis vachement... J'ai vachement peur, là. De tomber ou faire la moindre connerie. Bon, au moins, on a cette pièce. C'est tout ce que je voulais. On en a 6. Eh, c'est pas mal ça. 6. C'est plutôt pas mal. La 7ème, on sait où elle est. Vas-y, vas-y. Tourne. Tourne bien. On y va maintenant. Ok, c'est bon, ça passe. Putain, le truc, comment il tourne ici? Ok, ça devrait les ralentir encore plus. Voilà. Ah, mais non, mais du coup. Ouais, je suis bête. Il faut que je le réactive, puisque je suis mort entre deux. Vous savez quoi? Plutôt passer par là, j'ai l'impression que c'est plus secure. Voilà. Et ça aussi. Oh non! On va attendre quand même, hein. Voilà. On active ça, ça devrait s'arrêter tout court. Ou ralentir beaucoup. Ou s'arrêter tout court, voilà, nickel. Sauvegarde en cours. Oh fuck that shit, c'est timé. Oh, ils sont pas sérieux. Putain, mais... Oh oh, ça va vachement... Ça va pas le faire. Je sens que ça va pas le faire. Ok, ils sont sympas, ça a arrêté ça net. Putain de vite. Vite. Oh, mais vite. Oh là là, c'est chaud là. C'est chaud, 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 chaud. J'ai 30 secondes. Oh mon dieu, ça va pas le faire. Je sens que ça va pas le faire. Putain, ça va pas le faire. C'est foutu là. C'est bon, je sais déjà que c'est mort. Bah donc j'ai plus qu'à y retourner là. Hein.
m'excuserai, mais bon. Là, c'est bon, je sais que c'est mort. Ok, mais ça va être super chaud, vous rendez compte? Je dois, en allez, moins de 30 secondes, faire le tour du bateau à l'eau, quoi. Tu es lent, sans aucun doute. Ah non! Mais non, c'est pas vrai. Ouh, je vais galérer. Ouh. Ouh, putain. Ouh, ça va m'énerver. Ah ouais, non, mais là... ouais, là, ça va m'énerver. Parce que je sens le truc, mais impossible! C'est impossible! À moins que je trouve une cachette, enfin... une sortie secrète. Je sais pas si c'est utile que je fasse ça en plus, là. Que je ralentisse ces... que je ralentisse ces hélices, bon. Bah déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre la vie, ou du coup... du moins, on va la prendre avant. Avant d'activer l'interrupteur, sinon c'est mort, je sais déjà. Que ça va se jouer à la seconde près. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça va être très chaud. Ah, mais on va le faire, on va le faire, on va le faire. On va se le faire, les amis. Alors, ouais. Lui, on va le tuer. Parce que je pense qu'il va pas réapparaître comme ça. Au moins, quand on va... Oh, d'accord, on perd un point de vie quand même. Quand on va remonter, il va... j'espère qu'il va pas être là. Bah, on est bien d'accord que pour revenir, c'est la seule solution. Il n'y a pas un endroit caché ou quoi. Alors là, on fait pas de conneries, s'il vous plaît. J'ai pas trop envie de tout recommencer, quoi. Voilà. On va attendre. Je suis pas dans le genre pressé, là, ça va. Putain, ça va vite, quand même. Là. Voilà, on va aussi passer par l'autre côté, parce que le temps de monter ça aussi, ça prend vachement de temps. Ouais, bah dans tous les cas, de toute façon, quand je l'ai essayé, là, le truc, pour la première fois, j'étais pas du tout en position... en position d'avantage, quoi, pour le faire, donc bon. Peut-être que le fait de ralentir uniquement, ça suffit, mais bon, je pense pas. Oh non! Oh là 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 là, j'ai eu chaud. Vous avez vu ça? Purée. Fou. Bon. Est-ce qu'on est prêt ou on n'est pas prêt? On va le faire maintenant. Tant que ça tourne, machin. Voilà, c'est bon. Oh, allez, dépêche-toi. Voilà. Ok, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Putain, c'est risqué, qu'est-ce que je fais? Mais on n'a pas le choix, là. Faut pas perdre de temps. En tout cas, on est pas mal là, j'ai l'impression qu'on est pas trop mal. Allez, monte, 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 come on, come on, come on, soldat, allez, allez, on y va, on y va. Allez, pétage de câble là. Espérons que ça pue là. Ouais, nickel, c'est bon, j'ai bien joué là. Ok, on sort. C'est par où? C'est par là. Oh putain. Je sais pas si j'ai bien fait d'aller dans l'eau. Je sais pas si j'ai bien fait. Putain. Oh putain, ça va être chaud. Ouh là là, ça va être chaud. Est-ce que vous vous rendez compte, ça va être chaud. Oh, c'était pas par là. Mon dieu, c'était pas par là. Je me suis fait fumer. Oh putain, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est du foutage de... Je vais péter un câble, je vais tellement bien jouer. Oh non. J'étais persuadé que c'était là, moi. Oh, fuck. Bon. Eh ben, on a plus qu'à recommencer. C'est triste. Bon, moi, on n'a pas tout à refaire, là. Oh, la vache. Bon, on va réussir cette fois-ci. On sait que c'est de l'autre côté. Ok, c'est bon, là je perds pas de points de vie. Bon, non mais j'avais bien joué sinon. À part ça, à part me tromper de sens, j'avais bien joué. Et je sais maintenant que il suffit de descendre du bateau à la dernière minute.
de l'autre côté. Et normalement tout devrait être bah, nickel quoi. J'avais en fait largement le temps au final. J'avais largement le temps d'y aller quoi. Est-ce qu'il y a encore la vie? Non, il n'y a plus la vie malheureusement. C'est pas la vie infinie ici. Hop, voilà. On saute ici. Bon, on connaît la manip. Hein. À force, c'est bon. On a compris. Je vais même essayer de jouer un petit peu plus fino cette fois. Donc ça, bon, on va attendre un petit peu. Là. C'est bon, super. Ouais, je vais attendre que la plateforme soit bien mise pour activer le truc. Et ça devrait être nickel. Donc là, on va juste attendre que ça se mette à tourner. On va le faire maintenant. Allez, vite, 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 vite. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok, nickel. On se met en mode rapide. Bon là je suis désolé mais on va quand même attendre hein. On fait pas les fifous non plus. Hop là voilà. Ok on a le temps, on a le temps. On se calme. On a le temps. Pas de soucis là dessus. Je vous cache pas que je transpire un petit peu. N'empêche. Des mains. Là et cette fois je me trompe pas de sens. Merci. C'est par ici. En même temps, je suis un petit peu débile. Hein. Les hélices, elles sont pas devant le bateau, mais derrière quand même. Merci. Cette fois-ci, je m'en rappellerai. Voilà. Et ben, on l'a enfin, cette pièce purée. On n'aura pas trop galéré à l'avoir, ça va. Bon. On a donc cette pièce. C'est pas mal, mais... Mais là, petit souci, je vois pas trop où pourraient être les... Ça, ça m'intrigue quand même. Ah, j'aimerais bien être en mode... Non. À mon avis, je peux pas le détruire, ça. Non, ça doit pas être destructible. Ça me paraît bizarre, mais... Mais ça doit pas être destructible, parce que ce serait plus simple que ça. Voyons voir ce que j'aurais pu louper. Bah, pas grand chose, apparemment. Qu'est-ce que j'aurais pu louper? Je sais pas trop. On va retourner sur le bateau. Il y a certainement un truc que j'ai pas vu. Ah oui oui je m'en rappelle, il y a un truc que j'ai pas vu ça c'est sûr. C'est l'espèce de... Bah c'est pas une énigme. Mais avec les interrupteurs là, les trois interrupteurs. Qui sont numérotés. On a vu que c'était... c'était donc 3, 1, 2 les combinaisons. Mais après ça continuait apparemment. Tiens bah d'ailleurs... Est-ce qu'on peut aller là-dedans? Ah, on peut aller là-dedans. Moi, j'y suis pas allé, donc... Eh ben, let's go. Alors. Ok, bah, du coup, on a les notes à récupérer. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les notes, hein. Il nous en manque quand même 14, et c'est pas rien. On se les fait tranquillos. Il y a quand même ça à récupérer. Oh, purée! Ça, je m'y attendais pas. En plus, il y avait les grillages, donc... Aïe, ça c'est chaud ça. Je suis pas que dans une cuisine, ce qui est chaud te brûle, l'échine. Si si, je le savais, merci. Je voulais juste tenter. Oh putain, d'accord, ok. Oh, oh j'ai chaud hein, parce que là-dedans aussi. Hein. Non, ça va aller. Et encore une note. Il y a un couteau de cuisine, est-ce que je peux faire quelque chose avec? Non. Il y a une porte. Je peux certainement pas ouvrir. Encore une note. Et est-ce que je peux pas mettre... Non. Les œufs ne fonctionnent pas là-dedans. D'accord. Mais il n'y a rien à récupérer là-dedans de toute façon. Non. Bon bah c'est apparemment tout ce qu'il y avait. Ça me paraît assez vide.
Mais ouais, apparemment, c'est tout ce qu'il y avait. What, comment je remonte? Hein, comme ça peut-être? Voilà. Donc, bah, y a une pièce ici. Comment je la récupère, hein? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est... Oh, attendez. Ah, mais attendez, il y a une grue. Ah, mais ça doit être le même fonctionnement. Ah bah oui, regardez le bouton vers le haut, il est en relief. Donc c'est le même fonctionnement qu'à côté. Et ça doit soulever en fait la grille. Moi, si c'est ça, c'est une pièce facile. J'espère que c'est ça. Hop, mince. Faut foncer dessus, comme ça. Hop là. Ah voilà, c'est ça. Bon, c'est super simple. Petite pièce. Oh putain, merde, c'est timé par contre. Ouh, putain, ça va être chaud. Vite. Ok, c'est foutu. Attendez, voir si j'ai quand même... Putain, mais la caméra, quoi. Ok, elle redescend direct en plus. Elle perd pas de temps, hein. Et là, hé, la caméra ici est super désagréable par contre, hein. Bon, on active ça. Vite, allez, dépêche-toi. Allez, allez, allez. Perds pas de temps. S'il te plaît, la caméra me fait pas de conneries. Allez, vite. Ah, oh, c'est bon. Et par contre, on... Non, c'est bon, on n'est pas enfermé, quoi. J'ai eu peur, imaginez que... Oh putain, oui, si je restais dedans, j'étais enfermé. Non, je pense que quand on est en dessous, ça doit pas refermer, ou alors c'est des gros sadiques qui te laissent dedans, quoi. Oui, donc, j'aimerais bien retourner, moi... Oh, il faut que je fasse tout le tour, ou est-ce que je peux monter là? Ah, je peux monter là, ok, super. Alors, c'était 3, 1, 2. 3, 1, 2, les premières. Et alors, après, qu'est-ce que c'est? Alors, 3, 1, 2. Et on va en faire 1. Et comment on sait la bonne combinaison? Je comprends pas. Oh putain, c'est encore 1. 3, donc 3, 1, 2, 1, 1. On va essayer 3. Oh non. Oh putain, ça fait perdre une... Ça fait perdre un point de vie en plus. 3, 1, 2. On va essayer 3, 1, 2. Donc c'était 1, 1. 3, 1, 2, 1, 1, 2 peut-être. D'accord, c'était pas ça. Ok, bon bah ça doit être encore un 1. Mais ça va jusqu'à où en fait parce que... Mais je sais pas comment on l'obtient ce code. Ou alors, est-ce qu'on l'obtient? C'est ça le truc. Est-ce qu'il faut le deviner? Ou est-ce qu'on l'obtient? J'ai eu de la chance de savoir que c'était 1, 1 après. Donc je suppose que c'est 1, 1, 1. 3, 1, 2, 1, 1, 1. Dans ce cas, ça voudrait dire que je suis extrêmement chanceux. Mais bon. Donc 3, 1, 2. 1, 1, 1, on a dit. Est-ce que ça continue après? 1. Ah, on s'est l'air d'être fini. D'accord, ça nous donne une pièce. Bon, ça, c'est super. Ça, c'est super. Bon. Alors maintenant... J'ai 8 pièces, c'est ça. Où est-ce qu'elles sont les deux dernières? C'est une bonne grosse question. Il y a ce produit. Je sais pas du tout où est-ce que je pourrais aller là. J'ai un petit peu tout visité, j'ai l'impression. Je sais pas du tout où je pourrais aller. Bon, ouais, écoutez. J'ai quand même envie d'essayer un truc. Attends, est-ce qu'il y a...
Oui, ok, il y a une échelle ici. Ce tonneau de danger là, je sais pas, il me parle. Si je fais ça, est-ce que ça fait quelque chose? Si je le pète comme ça. Non, ça fait rien. D'accord, bon. J'ai vraiment aucune idée là. On va quand même faire le tour. On est allé en dessous là. On est allé là-dedans. On est allé là-dedans. Il n'y avait rien. En dessous du bateau, est-ce qu'il n'y aurait pas une entrée? Bon, je pense pas quand même. Bon, apparemment non. Ben, s'il n'y a pas d'échelle ici. Ouh, ça c'est bête. Purée, elle est loin en plus. Non, je sais pas du tout. Hein. C'est quand même vachement intriguant. Et c'est espèce de caisse avec le logo rare. On peut pas les casser ou quoi? Il y a pas une espèce d'indice là-dessus? Non. Je vais quand même essayer un truc qui pourrait me parler, c'est de foutre les œufs là-dedans partout. Donc du coup d'activer tous les chemins, on peut essayer entre autres, ça pourrait peut-être marcher de me donner une pièce quand on active tous les chemins peut-être. Alors c'est une supposition, j'y crois pas vraiment, mais là je vois pas trop où je pourrais aller. C'est surtout qu'il m'en manque deux, et puis il manque des notes, c'est ça le truc, c'est ça le souci. Il manque des notes, donc moi je partirai pas sans avoir trouvé toutes les notes. Je suis désolé, mais voilà, ça marche comme ça. On est bien d'accord qu'on avait fouillé tout ce qu'il y avait en dessous là. Voilà, c'était bon aussi. Ah, c'est vachement intriguant. Donc il faudrait que j'aille en face. Voilà, je vais y aller avec la grue. C'est par là. Non, c'est par là. C'est par là. Honnêtement, je pense pas du tout. Je fais n'importe quoi. Je pense pas du tout que ce soit ça qu'il faut que je fasse, mais bon. C'est une des solutions. Ah, mais d'ailleurs, attendez, il y avait ça aussi activé. Que j'ai pas activé. Donc, du coup, on va y aller maintenant. Ok, c'est bon, j'y suis. Hop là, on active ça. Ça me fait apparaître une pièce comme d'hab. Ah, je sais où c'est ça. Je sais où c'est. Bon, directement, je sais pas. Je sais plus où c'est en fait. N'importe quoi. Je sais où c'est sans savoir exactement où c'est. Oh putain. Là, il y a un truc qui me. Il y a un truc qui me paraît bizarre. Est-ce que. Non. J'ai rêvé. Je pensais qu'il y avait une cheminée que j'avais pas explorée, mais non. Enfin, je pense pas. Bon, j'espère par contre j'aurai assez de deux. Je pense que ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ah, si ça me fait rien. Bon, je pense pas que ça me fasse quelque chose, mais. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ok, ce chemin quoi. Et c'est dommage qu'on ait pas trouvé d'endroit pour se transformer. Je pense pas qu'il y en ait, parce que sinon on aurait déjà eu besoin. Oui, forcément avec un chemin comme ça, j'étais sûr de tomber moi. Bon. Et ça serait pas là-dedans, j'aurais pas oublié un truc là-dedans. Ah mince, c'est par là-bas qu'il faut qu'il y ait. Ah, attendez, j'ai envie de retourner là-dedans parce que. J'y ai pas passé beaucoup de temps. Bon, apparemment là, rien. Non, je pense pas que ce soit là-dedans quand même. Non, je pense pas que ce soit là-dedans. Je pense plutôt que ce serait par là-bas là. Je sais pas pourquoi, j'ai pas exploré des masses. Et. Ça pourrait éventuellement être par là-bas. Notamment en dessous, là. Enfin, on va quand même tenter la technique un petit peu bizarre. Qui ne veut absolument rien dire.
On va pas tomber là-dedans. Est-ce que j'aurais pas laissé un truc là? Non. La TNT. On va l'esquiver comme ça. Oh putain, non, 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 non. 1, 2, 3, 4. Voilà. Allez, est-ce que ça me donne quelque chose? Et non. Ça m'a rien donné. Ok, bon, bah, on aura testé. Au moins, on pourra dire que c'est pas ça. À moins que j'en ai un autre activé, mais je crois pas. Hein. Non, j'en ai pas d'autre activé. Ça, c'est le dernier. Bah, j'ai quand même envie de retourner là-dessous. Avant que le requin me bouffe, ça serait cool. Voilà. Est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose là-dedans, moi? Ça, c'était uniquement pour le point de vie. Ah mais oui, mais non, mais ça je l'avais déjà bien exploré quand même, donc je pense pas que j'ai oublié quelque chose là-dedans, quoi. Parce que j'ai récupéré le point de vie. Non, à mon avis, ici, c'est bon. Bon, plus qu'à retourner là. Cet épisode va être assez long quand même, hein. J'ai pas du tout combien de temps ça fait. Il va être assez long. Oh! Donc du coup on va aller là-dedans. Et ça va être le dernier endroit où on va aller, je pense, parce qu'après j'ai aucune idée de où peuvent être les derniers éléments. Non mais ici ça me semble un endroit que j'ai pas mal exploré, donc j'y crois pas non plus, quoi. J'y crois pas non plus. Et alors, ok, le fail. Non mais attendez. Avant de me faire chier à tout monter, on va quand même explorer comme ça. Puis non, je crois pas qu'il y ait une pièce ici, quoi. Bah, il y en avait déjà une, en fait. Je l'ai récupéré ici. Non, décidément, c'est pas ici qu'il faut aller. Donc c'est pas ici. Ce qui m'étonne, c'est qu'il m'en manque quand même deux. Donc ça veut dire que... Ça veut dire qu'il m'en manque quand même pas mal, quoi. Enfin, j'ai quand même... Et puis il me manque des notes, surtout. Ce qui voudrait dire que j'ai quand même zappé pas mal de trucs, quoi. Est-ce qu'il y aurait pas d'autres endroits, genre ça, je sais pas... Ça, il faudrait peut-être les tuer. Peut-être des endroits cachés, je sais pas. Hein. On va explorer un peu mieux le bateau, parce que j'ai l'impression qu'il nous manque des trucs sur le bateau. C'est pas là. Tiens, il y aurait pas une porte là-dedans aussi? Ça, hop. Ouais, honnêtement, j'ai pas trop d'idées. Dommage que je sois pas en live. Bon, il est très certainement dit, ah, c'est ici. Ah, tiens, est-ce que je peux pas péter ça? Non. Non. Oh là là, c'est chaud, hein. Décidément, c'est pas facile. Est-ce qu'il y aurait pas un accès ici? Non. Pas d'accès ici. Oh là là. Ça, on va le tuer. Ah bah voilà, 3, 1, 2, 1, 1, 1. Il est là, le code. Ah bah, je l'ai trouvé tout seul. Ok, ok. D'accord. Je sais pas du tout où je vais. Aucune idée, quoi. Je pourrais pas aller dans ces trucs là, non. Dommage. Il est méchant là. Est-ce qu'il n'y a pas d'accès dedans, quoi? C'est juste un piège. On va quand même essayer. Non. Décidément, non. Ils sont méchants jusqu'au bout. S'ils me pètent en même temps le truc comme ça. Ah. Ça m'énerve. Parce que j'ai jamais quitté un niveau en dessous des 8 pièces, quoi. Et sans avoir toutes les notes, en plus.
Alors si je quitte maintenant, je perds un petit peu toute crédibilité, quoi. Non, c'est nul. Moi, je veux tout, là. Je veux tout. Alors, attendez. Côté bateau, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc? Et bon, écoutez, je vais faire un dernier tour du bateau. Pas dedans, mais à l'extérieur. Toi, t'es méchant, je l'ai vu ça. Hein. Ça fait pas. What? Mais attendez, mais c'est quoi ce délire? J'ai testé tous les trucs, ça, celui-là, il se pète. Je comprends pas. Ok, il y a les notes. Il y a les notes, je récupère ça direct. Oh, dégage. Mais j'ai pas compris, là. J'ai testé comme ça. Pourtant, j'ai testé sur d'autres. Ouais, what the fuck? C'est complètement what the fuck. Bon, pas énormément de trucs non plus, quoi. Hein. Attendez, mais si c'est comme ça pour tous les hublots, let's go direct, quoi. On les teste tous, hein. Et puis comme ça, c'est fait, hein. Mais j'étais sûr pourtant d'avoir testé ça. Donc ça veut dire que ceux-là, ils se pètent. Ah non, ils se pètent pas. Donc il y en a que certains qui se pètent, c'est ça? Oh, si c'est ça, c'est vraiment mal foutu. Ceux-là, ils se pètent pas. Ceux-là, ils se pètent. Non, ils se pètent pas. Mais il y en a qu'un qui se pète, alors. Ah, c'est n'importe quoi. Oh, dommage, je pensais avoir trouvé le truc. Non, au final, genre, j'ai juste trouvé 4 malheureuses notes. Et 0 pièce. Ah. Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres, des hublots? Ah si, on en a là. Pitié qu'il y en ait qui se pètent, là. Celui-là, non. Celui-là, oui. D'accord, ok. Ils se différencient un peu par leur couleur, peut-être. Mais bon, franchement... Moi, je sais pas, j'en teste un et puis je me dis, ah bah non, ça marche pas, quoi. Ah, il manque 3 notes. 3 misérables notes. Ok, il y a un petit poste de commande, là. Est-ce que ça se pèterait pas, tout ça? Non, je pense pas. On va quand même te tuer, toi. Là, est-ce qu'on oublie rien? Ok, il y a un autre ennemi. Oh, voilà. Bah non, il n'y a rien. Il doit y avoir certainement un dernier hublot, quoi. Est-ce que ça se casse pas? Non, on est sûr que ça se casse pas. C'est dommage. Okay, on a une espèce de carte. Mais il n'y a plus rien, là. Ça, je peux pas l'ouvrir. Non. Bon, là, il n'y a plus rien. On peut donc sortir par là. Mais alors, ce que je comprends, c'est qu'il y a un hublot là qu'on peut pas péter. Et juste à côté, on peut le péter. Alors que ça mène au même endroit. Bon, c'est pas trop compréhensible. Mais enfin, pourquoi pas. Il me manque quand même 3 notes. Donc, ça veut dire que... Ah, voilà. Donc là, il y en a un qui se pète ou pas? Là, non. Ah, voilà. Celui-là, il se pète. Honnêtement, au niveau de la couleur, chez moi, c'est quasi les mêmes, quoi. Hein. Oh, putain, oui. Nickel. On a les 100 notes, déjà. Ça veut dire qu'il nous en reste plus que 100. Plus que 100 et on les a toutes. C'est beau, ça. Et il y a une pièce ici. Ok, pas trop dur à récupérer, ça va. Ça va, on a vu pire. Et honnêtement... Eh ben, ça fait plaisir, purée. Pouh. Voilà. Ah mais attendez, on a les 10 là? Je pensais qu'on en avait que 8. Mais what the fuck? J'étais paumé tout le niveau là. Parce que, en fait, j'ai pas regardé l'écran quand on a eu les 10. Et mais oui, il y a eu les petites hymnes. Donc je suppose qu'on a eu les 10. Pff, je comprends plus rien. Écoutez, on va sortir de ce niveau qui me fait un petit peu mal à la tête. Et puis je pense qu'on va s'arrêter ici. Mais ça fait quand même une assez longue vidéo. Enfin bon, j'espère quand même que vous aurez apprécié cet épisode, même si j'ai un peu galéré à trouver les dernières pièces, il faut l'avouer. Ah oui, j'ai quand même envie d'aller... J'ai quand même envie d'aller voir
ce qui se cache ici. Ah mince, je crois que j'ai oublié de récupérer la... J'ai oublié de récupérer la pièce, c'est pas très grave. La pièce que j'avais découvert. C'est pas grave. Ok, let's go. Hey, y a plus qu'un niveau, sérieux. Ça va super vite. Oh, putain, mais y a une grille, là. Ah, je peux pas la casser, en plus. Ok, bon, bah, super. La surprise qui n'en était pas une. Ah là là, sérieux, ce niveau, il m'a mis mal, quoi. Il m'a perturbé. Et puis, c'est hublot, là, sérieux. Faut le trouver, sérieux. Et heureusement que j'ai testé, quoi, sur un hublot, comme par hasard. Sinon, bah, j'aurais été bloqué jusqu'à la fin. Et peut-être que le fait d'avoir augmenté le niveau de l'eau, ça m'a ouvert plein de trucs. Enfin bref, j'espère quand même que vous aurez aimé ce petit épisode. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit avis. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.